Alors, je ne sais rien, je vais rester comme ça puisque après je dois me lever. Je vous ai montré hier quelques images du magasin Extra où j'adore aller à Noël. Parce que vous avez vu les expositions des trucs de Noël qu'ils font. C'est juste magnifique. Les décos sont pas hyper chers, donc c'est bien aussi. Mais là, j'ai été très soft hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de décos de Noël. J'en ai encore acheté pas mal. Et là, j'ai juste acheté 2-3 petites choses. Alors d'abord, une magnifique guirlande. Tout en holographique. Elle est trop belle. Elle est à 5,49 €, donc ça fait peut-être un peu cher par rapport aux guirlandes de chez Action, mais par rapport à ailleurs, c'est vraiment pas cher. C'est une grande, hein. Attendez, elle doit faire 2,70 m, je crois, comme la moyenne. Ouais, c'est ça. Et j'ai acheté 2 lots de boules. Alors, au départ, parce qu'en fait, les boules étaient en 1+1 gratuit. Là, vous avez 10 boules pour 3,99 €. Donc, j'ai enfin trouvé des boules noires. Donc, tout ce qui est de plus classique, hein, mais des brillantes et des mates. Donc, ça fait très joli dans le sapin. Et je voulais prendre 2 lots de noires, puisque des boules noires, j'en ai pas. Vraiment pas. À part quelques-unes que j'avais bombées, mais ça faisait pas très joli, mais bon. Mais après, chérie a craqué sur celles-là, et c'est vrai qu'elles sont très belles et qu'elles iront aussi dans mon sapin. Regardez comme elles sont belles. Surtout celles au-dessus, en holographique, comme ça. J'aime trop, ça fait un peu style goutte d'eau. Et celles du dessous ne sont pas moches non plus. Elles iront quand même aussi dans le sapin, même si elles ne sont pas totalement blanches. Ça fera juste un tout petit peu de couleur... C'est un peu beige, comme ça, coquille d'œuf, je sais pas trop, mais elles sont super belles. Mais alors, celle du dessus, j'aurais bien aimé trouver un lot rien qu'avec celle-là, mais il n'y avait pas. Donc voilà, ça c'est pour ma journée d'hier. Le soir, on a mangé une raclette et Riley, oh, elle est pas possible. Et j'ai eu la bonne idée de me mettre dans le canapé parce que j'avais un peu trop mangé, donc j'avais très mal l'estomac. Donc je me mets souvent dans le canapé ou dans mon rocking chair là de grand-mère. Mais là je me suis mis dans le canapé avec la couverture chauffante parce que j'avais froid. Et du coup je me suis endormie jusqu'à 23h30. Je me suis réveillée quand j'ai vu l'heure, je dis non. Mais je suis retournée me coucher à 1h30 et je me suis réveillée à 5h30. Donc ça piquait un peu. Donc là j'ai été me recoucher vers 9h30 je crois, jusque maintenant pas très longtemps. Là il est 11h30, un truc comme ça. Et entre-temps, j'ai été à la douche, j'ai fait un peu ce que j'avais à faire et tout ça. J'ai même lavé mes cheveux. Je vais les lisser pour demain parce que demain, on doit tourner le make-up. Et la palette que Manon a choisie, et je vais la sortir tout de suite, c'est la Book of Magic. Je regarde un peu les couleurs. Ah oui, il y a un aubergine dedans. Ouais, je pense que je vais partir sur de l'aubergine et du doré. J'ai envie de ça. Ça fait très, estival, enfin automnal. Donc voilà, là je vais commencer à préparer le calendrier des garçons. Donc vous allez avoir les bruits de papier. Je crois que je vais plutôt vous le mettre en musique. Mais ce que je vais d'abord faire, je vais retourner toutes les boîtes pour savoir quand j'ai une boîte qui est pleine, je la mets dans le bon sens. Donc voilà, il faut que je garde des assez grandes boîtes pour mettre les fringues que j'ai achetées. Donc on va voir comment je peux jongler. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Je vois que j'ai encore la 9, mais ouais, la 9, je pense pas que les chaussettes rentrent dedans. T-shirt, caleçon, chaussettes. Mais j'ai des grandes friandises, donc là ça passera dedans. Les autres, je suis pas sûre. Donc on va voir. Donc là, je vais déjà retourner toutes les cases des deux calendriers et puis après, je vais commencer à mettre ce qui est dedans. Il y a juste ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait pour mettre leur nom sur le calendrier et j'ai fait des tickets comme ça pour mettre les boissons parce que je vais les mettre à part, donc il y aura du Monster et une autre boisson. Voilà, je parle pas trop fort parce que j'en ai un en haut, un en bas. J'ai pas envie qu'ils entendent, ils ne le savent pas. Donc allez, c'est parti, je fais ça. Finalement, c'était pas une bonne idée de les retourner, hein, parce que je dois mettre dans le même, enfin, dans les mêmes cases. Donc du coup, je suis en train de revérifier tous les numéros. Je crois que vous avez compris le principe. Ce que je vais faire, je vais changer les numéros sur un des deux, parce que s'ils n'ont pas les mêmes trucs le même jour, ça va partir en négociation sévère et compagnie. Donc je vais changer les numéros sur un des deux, comme ça je peux mettre les mêmes choses le même jour. Donc j'allais chercher des papiers et de papier collant, et je vais faire ça. Par contre, ouais, les gros trucs, je les mettrai avec un fringue, hein, les trucs là, je mettrai le t-shirt avec ça, le 24 ou quoi, je vais voir. Là, je vais chercher du papier collant, un feutre et ce qu'il me faut pour faire des petits numéros, parce que c'est la même merde. Donc ensuite, je joue et demain, on fera le make-up avec la palette Book of Magic. Voilà. Alors, il est à peu près 8h, il est entre 8h et 8h30, je ne sais pas exactement. Et voilà, tout simplement. Je suis réveillée depuis 5h, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de petites choses déjà depuis ce matin. Là, je vais donc j'ai fait mon teint et tout ça, je vais faire le make-up avec vous. Ensuite, j'irai nourrir mes chiens et puis j'irai enfin, je reviendrai tourner ma vidéo. J'ai tourné les produits finis, je voulais vous les tourner pour décembre, mais ça peut plus attendre. Il y en a partout, ça débloque, c'est dégueulasse. Donc voilà, là on va tout simplement passer au petit make-up qui sera assez simple je pense, mais très de saison, avec la Book of Magic de Beauty Bay. Donc c'est Manon qui l'a choisi, vous avez son make-up qui est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vais principalement utiliser cette couleur là et le doré juste ici. Voilà, tout simplement. Je vais pas trop, je vais prendre celui-ci pour estomper et ça sera tout. Vous voyez, je vais pas faire grand-chose d'incroyable. Je vais partir sur un Halo Ice parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et voilà, j'ai peut-être zoomé un petit peu pour que vous voyez quand même ce que je fais. Mon micro s'est cassé la gueule. Mon micro se casse-t-il la gueule? Je pense que vous m'entendez quand même correctement. Voilà. Alors, je vais commencer comme d'hab par blender ma base. J'espère que les chiens ne vont pas foutre le bordel dans la chambre. Riley est déjà hyper motivé. Donc mes cils, ça commence à aller un peu mieux. Bon, j'ai toujours une petite touffette là, mais je pense qu'une fois avec le mascara, ça devrait aller. Mais j'ai vraiment fait n'importe quoi cette fois-ci. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, je vais prendre un pinceau crayon, tout simplement. Et je vais donc commencer avec la teinte de transition que je vais prendre de celle-ci. Que je vais mettre en transition, mais pas au centre. Je vais juste en mettre à l'intérieur. Je remonte assez haut. À l'extérieur, enfin en coin externe et en bas de cils. Je suis tout tombée. Donc c'est vraiment juste pour dégrader l'autre couleur, hein. C'est pas la couleur la plus importante. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, donc on a été chez le médecin avec Sam, hein, qui est pas très en forme moralement avec l'école cette année là. Et du coup il l'a mis en arrêt jusqu'à ses 18 ans en janvier. Pour qu'après il puisse se concentrer sur sa formation. Les préinscriptions commencent en avril, donc je suppose que la formation commencera en septembre seulement, mais voilà, pour pas avoir des risques qu'il ne puisse pas la faire à cause de l'école, où ça se passe vraiment pas bien cette année, le médecin, même le directeur de l'école, hein, je vous l'avais dit, on dit que c'était mieux de le mettre en arrêt maintenant, pour pas qu'il ait de soucis. Donc je prends la teinte Vaudou. Normalement avec cette palette, j'associe toujours le violet et le bleu, parce que c'est un mix que j'adore, comme le bleu et le marron. C'est des combos de couleurs que j'adore. Donc là pareil, hein, je fais sur la paupière et le ras de cils plus précis, interne et externe. Et là j'avais envie de changer un peu, et je me suis dit la teinte prune là, aubergine un peu, avec du doré, ça va être totalement de saison. Je ne sais pas dire sur quelle couleur va partir ma bichette. En ce moment elle est fort dans le vert, mais il n'y a pas vraiment de vert. Je pense qu'elle va partir peut-être sur les deux là de base, ou peut-être les deux là. On ira voir ça juste après, hein. Oh, Yuki qui piétine. Donc j'ai déjà commencé par estomper. On n'oublie pas la transition ici, hein. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Bon, j'en ai déjà fait pas mal, hein, mais j'ai encore plein de choses à faire. J'ai préparé le colis pour le concours du calendrier de l'Avent, qui est donc terminé, hein. J'ai déjà contacté la gagnante à 5h30 ce matin. J'aime pas que ça traîne, moi, les choses, hein. Alors ici, ça remonte un peu plus haut. Donc je vais reprendre ce pinceau-là, sans rajouter de matière, hein, mais... Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le petit mot qu'elle a mis, parce que je vous mets toujours une petite section si vous voulez mettre un petit mot et tout ça. Et ça m'a beaucoup touchée en plus, donc j'étais bien contente que ce soit elle qui se tire au sort, puisque elle disait que si elle gagnait, elle mettrait le calendrier de l'Avent au bureau, enfin au boulot, pour ouvrir avec ses collègues un jour chacune. Et j'estompe avec un plus gros pinceau maintenant. Mais qu'elle gardait le dernier cadeau pour elle, hein, le 25. Et j'ai trouvé ça adorable. Et comme je l'ai dit dans le mail, bah, c'est totalement l'esprit de Noël. Donc voilà, j'étais bien contente de lire son petit mot quand j'ai fait le tirage au sort. Donc j'en ai déjà lu quelques-uns des autres. Je pense qu'on fera ça demain pour clôturer le vlog. Je vous lirai les petits mots que j'ai eus, parce que Vous mettez toujours des super choses, vraiment adorables. Et je me suis dit que ça serait bien de les partager pour montrer que ben, c'est ça aussi YouTube. C'est des gens adorables qui n'ont pas peur de faire des compliments, qui sont bienveillants. Et voilà. Et puis je vous montrerai un peu où j'en suis avec mon gros diamond painting là. Et là j'étais en train de... C'est hier je crois, hier ou avant-hier, j'étais en train de regarder pour faire mon fond de Noël, à quelle date je pouvais le faire. Et il me reste 2 vidéos à tourner je crois en dehors de celle de Noël, si ma mémoire est bonne. Donc je ne sais pas si je vais pas déjà l'installer rapidement une fois que j'ai fini de tourner, c'est les produits finis. Je crois que c'est, il me reste plus que celle-là et la box P. Louise, mais ça je peux la faire en bas. Donc au doigt je vais tout simplement prendre le doré ici que je mets au centre. Un petit peu sous le sourcillon, hein, obligé. Enfin, obligé pour moi parce que j'adore avoir les sourcillons lumineux, mais si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, bien évidemment. On va peut-être en rajouter une petite couche. Alors j'essuie mon doigt et je prends un pinceau précision, toujours la même teinte que je mets en coin interne. Qu'est-ce qui bouffe lui? Et au centre du ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends mon pinceau, je blende un peu ici, très léger, et je blende ici. Riley, Yuki, vous voulez bien rester un petit peu tranquille là? Je vais en rajouter un petit peu parce que ça a perdu en intensité. Et voilà. Ben voilà pour les fards. Je vais restomper un peu plus ici là parce que j'ai descendu un peu bas. Alors je vais pas faire de liner, en ce moment, liner c'est moins souvent. Mascara, crayon, je vais mettre du noir. En rouge à lèvres, je vais mettre un de chez Glam Shop que j'ai eu dans un des calendriers de l'avant. Je me demande s'il n'est pas foutu, donc je vais pouvoir vérifier ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on reparle 2 petites minutes de la palette. Voilà le look final avec cette palette. Alors j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, il met du temps à sécher, alors j'en ai plein les dents. J'ai mis un trait de liner doré ici et sous le sourcil. J'ai mis le Glam comme ça. Ah, un cheveu. Alors je ne sais pas où donner la teinte, mais c'est le doré de chez Glam. Voilà, je les adore ces petits liners chez Glam là. Et voilà, comme ça, ça habille un peu plus le look. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez cette palette de chez Beauty Bay. Alors vous pouvez plus la retrouver, hein, peut-être sur Vinted, mais voilà. Moi je l'aime beaucoup. C'est avec celle-là que j'ai découvert ce genre de palette. C'est pas avec celle-là que j'ai découvert les fards Beauty Bay, tout simplement. C'est Manon qui me l'avait offert dans un swap. Je la trouve vraiment très complète. Enfin, c'est pas ma préférée. puisque voilà, j'ai la Edge of Opulence, la Dark Fantasy et la Wild. C'est Wild? Oui, je crois que c'est Wild, hein, je ne sais plus. Que je préfère par rapport, par rapport aux teintes. Après, Beauty Bay, ça reste une très bonne qualité de fard pour le prix. Franchement, rien à dire. J'aime beaucoup. Maintenant, j'ai les grandes aussi palettes. Je ne pense pas que je vais garder les grandes. Ça, on verra quand je vous montrerai ma collection de palettes dans le calendrier de l'Avent. On en profitera également pour faire un petit déclutter. Voilà, un petit tri parce que... ben, avec les box P. Louise, avec les calendriers de l'Avent, avec le swap calendrier de l'Avent avec Manon, je pense que je vais avoir pas mal de nouvelles palettes. Donc il va falloir que je pense à commencer à me débarrasser des plus anciennes. Et ça, on fera en même temps que quand je vous montre ma collection de palettes, comme je fais chaque année. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo de ma petite bichette en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous abonner à sa chaîne, lui laisser des gentils commentaires et plein de pouces en l'air. Et en plus, vous verrez quelle palette elle a choisie pour le dernier mercredi du mois, puisqu'on fait le deuxième mercredi et le dernier mercredi du mois, une palette de make-up ensemble. Et voilà. On fera, je pense, aussi également les crash tests en janvier des calendriers qu'on a en commun. Donc ça sera Essence, Catrice et Trend It Up. Et voilà. Puis après, il y aura tous les crash tests du calendrier et de l'Avent swap. Et les swatching make-up suivant les palettes qu'il y aura dedans. Voilà, voilà. Voir si on les fait en commun ou pas. Est-ce qu'on a eu les mêmes idées? Ça, il faudra attendre le déballage en décembre. Et j'ai trop hâte d'y être. On se rapproche, on se rapproche. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vais aller donner à manger à mes chiens. Et je reviendrai filmer les produits terminés. Et demain, je vous montrerai où j'en suis avec mon diamond painting. Et je lirai quelques commentaires que j'ai eu dans les participations du concours. Voilà, parce que c'est toujours très joli à partager ce genre de pensées bienveillantes. Voilà, voilà. Donc moi, je vais aller voir celle de la vidéo de ma bichette pour voir quelle palette elle a choisie pour la prochaine fois. J'ai trop hâte. J'aime bien parce que c'est elle qui choisit, c'est pas moi. Donc... ça fait du bien, ça fait une surprise de savoir quelle palette on va utiliser, j'adore ça. Et voilà, donc sur ce, ensuite je joue. Il est 11h, moins 10, mais bon, il est quasi 11h. Je me suis réveillée à 8h, les gens. Waouh! C'est une super grasse mat pour moi, bien évidemment. Et j'ai un chat dans la gorge. Ce soir j'ai Pilates, donc voilà, Sam doit aller à la douche parce qu'il va il va à l'école aujourd'hui déposer son certificat et voir le directeur et en profiter pour voir sa chérie après l'école. Elle a raccompagné chez elle, tout mignon. Et du coup, je vais être décalée dans ma sieste, donc je vais peut-être éviter de faire une... Quoi que si j'ai Pilates ce soir, si je dors pas, déjà que j'ai pas eu la kiné hier, je vais avoir trop mal. Bon, vous vous calmez les chiens. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir comment ça va se goupiller. Alors, je vais déjà vous montrer où j'en suis avec mon diamond painting, le géant là, de Nogal. J'espère que j'arriverai à le finir avant Nogal, hein, parce que... il va être très long à faire celui-là. J'ai l'impression de ne pas avancer. Pourtant ça avance. Hein. Donc voilà, j'ai fait toute cette rangée ici. Voilà, de haut en bas. Là je vais commencer à côté. Et on, voilà. J'espère juste le finir assez rapidement quand même. À temps pour Noël. Surtout. Je reçois une petite commande Shein aujourd'hui. Donc je vous montrerai ça demain. Et c'est tout donc dans le prochain vlog pour vous. Alors la gagnante du concours m'a répondu ce matin. Je venais de mettre une story en disant que je lui laissais 5 jours parce que je n'avais toujours pas eu de réponse, en sachant que j'ai envoyé le mail hier à 5h du matin. Donc voilà, je me dis c'est quand même bizarre. En principe les gens vont au moins voir leur mail une fois par jour. Riley, c'est pas le moment de jouer avec le tiroir et arrête d'essayer d'ouvrir le mien. Donc je me suis dit peut-être qu'il est dans ses spams, donc je vais faire une story. Et juste quand je poste la story, je reçois un mail, c'est elle qui répondait, donc j'ai vite supprimé la story. Et voilà, je vais, il est déjà prêt, il est là derrière. J'ai plus qu'à mettre l'étiquette, donc je vais faire ça tout à l'heure. Comme ça, je vais essayer de lui que Chérie le déposer demain. Et voilà, voilà. Donc, je vais vous lire quelques commentaires que j'ai eus, parce qu'il y a une cinquantaine de participations, donc je ne vais pas vous mettre, vous les lire tous, mais il y en a des très gentils. Tu es un vrai rayon de soleil, la reine des queens, tes vidéos me font vraiment du bien au moral, merci pour ça. Ben avec plaisir, parce que moi ça me fait du bien au moral de partager avec vous. J'adore toutes vos vidéos, j'adore tes vidéos, même si je ne commente pas trop. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter, même si vous ne savez pas quoi écrire, mettez juste un petit emoji. Au moins, je vois vos pseudos passer, je sais qui c'est qui est plus régulier, tout ça sur la chaîne. Très 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 envie de voir tout ce que tu as mis dans ces petits pochons, parce qu'on voit que tu mets ton cœur dans ce que tu fais. Je croise les doigts. Bon bah désolé, c'est pas la personne qui a gagné. Comme toujours, merci pour tes vidéos, mais aussi ton envie de partager. Toujours un plaisir de te retrouver. Dès que je vois ta tête apparaître, tes vlogs passent en premier dans ma liste devant n'importe quelle autre vidéo. C'est trop gentil. Merci à toi pour tous tes partages, ton sourire, ton intensité. Bisous. Merci pour ce que tu fais pour nous. C'est très agréable, on est très chanceuses. Ben, j'espère. Je t'adore, je ne loupe aucune de tes vidéos, je les regarde toutes, j'adore tes vlogs, tu fais vraiment partie de ma petite routine. Gros bisous de Bretagne. PS, t'inquiète, dès que je reprends des Dolce Gusto, je t'envoie le code QR. Voilà. N'ayant pas les moyens de m'offrir un calendrier, je tente ma chance, on ne sait jamais, désolé. N'oubliez pas qu'il y a le concours de Noël qui approche à grands pas là. Je te suis depuis de longues années, c'est un plaisir de regarder tes vidéos. Merci pour tes partages et ta présence sur cette plateforme. Tu es superbe. Coucou, merci pour cette adorable attention. C'est super gentil de vouloir nous gâter et de nous faire profiter de tes créations. Moi qui ne suis pas très douée de ma main, je suis assez bluffée par tout ce qui est création manuelle. Je vais parler du concours à mes collègues et leur proposer de participer. Si je gagne... Ah bah c'est la gagnante. Du concours justement. Si je gagne, j'aimerais mettre le calendrier au bureau afin qu'on ouvre une pochette chacune à tour de rôle pendant le mois de décembre. Vu qu'on est 4 filles, on aura toutes 3 à 6 cadeaux et ça fera plus d'heureuses. Mais j'avoue que je garderai égoïstement la surprise de Noël pour moi toute seule. J'ai trouvé ça tellement esprit de Noël, tellement généreux. Et voilà, quand j'ai lu son commentaire, je l'ai lu qu'après, en fait, avoir fait le tirage. Voilà, ça m'a beaucoup touchée qu'elle pense... Voilà. Elle me suit depuis des années, silencieusement, qu'elle me dit... Qu'est-ce que j'ai encore Je te remercie vraiment car ce concours est incroyable. J'espère vraiment gagner. Désolée. Je voulais savoir si tu vas faire plus de contenu sur le maquillage. Alors oui, ça va arriver forcément en janvier, puisqu'il y aura les crash tests des calendriers et les swatch and make-up des palettes du swap et tout ça, tout ça. Maintenant, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, le contenu make-up, je le fais dans les vlogs, notamment une palette de make-up, les swatch and make-up également. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais goupiller ça, mais voilà, c'est le contenu make-up. Quand il y a des petits crash tests, bon, je ne sais pas, ça dépend un peu de mon humeur. C'est vraiment adorable, cela a dû prendre du temps, oui, effectivement. Qu'est-ce que... voilà. Merci pour tout ce que tu fais tout au long de l'année, merci de nous gâter, bisous. J'adore vous gâter parce que vous me gâtez également, je parle pas en cadeau, hein, mais votre présence me gâte énormément et comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes mon antidépresseur à moi. Voilà, passer du temps avec vous, c'est vraiment un truc qui me plaît toujours autant. Je me souviens qu'à quelques années, je disais, moi, je ne ferai jamais de vlog. Et au final, c'est ce que je préfère tourner maintenant. Parce que vous avez l'impression que je suis plus proche de vous. Mais moi, j'ai l'impression aussi d'être plus proche de vous. Donc, voilà. Et au moins, dans les vlogs, on ne cache rien. Bah, si on voudrait, on pourrait cacher. Moi, ce n'est pas mon cas. Je préfère être honnête avec vous, surtout. Voilà, de toute façon, il y en a qui me suivent depuis presque 13 ans, enfin depuis 12 ans maintenant, 12 ans et demi. Et vous me connaissez, je pense, quasi par cœur, donc je pourrais plus vous mentir. Voilà, mais voilà, sachez que moi, vous avoir auprès de moi et lire vos commentaires, c'est vraiment quelque chose qui me réchauffe le cœur tous les jours. Donc c'est pour ça que je dis, même si vous ne savez pas quoi écrire, mettez un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Suivant votre humeur, suivant la saison, suivant votre emoji préféré, vous pouvez mettre tout le temps le même, voilà. Si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, les petits emojis, moi j'adore ça en plus, je parle beaucoup avec les emojis, et en plus ça m'aide, comme je vous l'ai dit, pour l'algorithme et tout ça, et je vois les pseudos au moins passer, parce que là le pseudo qui a gagné, je ne sais pas qui c'est, puisque c'est quelqu'un qui me commente jamais ou que très rarement peut-être. Tandis qu'il y a des pseudos que je sais qui c'est, entre guillemets, parce que bon, je ne sais pas la tête de la personne ou des choses comme ça, mais à force, les pseudos, ben voilà, à force de les lire tous les jours, on sait qui c'est. Maintenant, il y en a même que, même rien qu'en lisant le commentaire, je sais dire qui c'est, quoi. Voilà. Bref, bon, j'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser là pour ce vlog. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit commentaire ou un petit emoji si vous ne savez pas quoi mettre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.